TVCE, c'est la télé communautaire de l'Estran, anciennement Télésourire, parce que c'est plus facile de nous reconnaître à travers les autres télés communautaires en utilisant ces lettres-là, les TVC, qui représentent les télés communautaires. Le territoire qu'on couvre part de Manche-d'Épée jusqu'à Saint-Yvon. Une des raisons qui nous a poussé à créer cette télévision communautaire, c'est qu'on avait dans notre secteur ce qu'on appelle de l'esprit de clocher. Alors, c'est telle paroisse contre telle paroisse contre telle paroisse. Et on s'est dit que peut-être si on avait un lien qui était audiovisuel par la télévision communautaire, on pouvait peut-être créer des rapprochements entre les municipalités. Et en même temps, on pensait qu'on pourrait peut-être donner plus d'informations aux gens sur ce qui se passe dans la place. Parce qu'en réalité, on va dire, le but d'une télévision, c'est d'informer. Mais souvent, on va passer à des choses qui se sont passées ailleurs. Mais nous, on disait priorité à tout ce qui se passe dans notre coin. Bonjour, mon nom est Caroline Blouin. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre première de l'année. Bienvenue à la vague d'informations de TVCE. En manchette cette semaine, École secondaire Esdras-Méville, la rentrée des parents et présentation du comité École en santé. Ça nous permet d'accueillir plusieurs... On a 32 semaines de vague d'informations qui est notre émission d'information. À toutes les semaines, on doit fournir une heure de notre contenu juste à nous dans le secteur de l'Estran. Donc évidemment, comme on est le village en chanson ici à Petite-Vallée, il y a beaucoup de culturel, mais il y a beaucoup de théâtre aussi. On couvre aussi les séances municipales, donc de Madeleine, de Grande-Vallée, Petite-Vallée et Chlorodome. En ce moment, on est 3 employés. Ben, je te dirais, il y a la coordonnatrice. Il y a moi qui est directrice adjointe et il y a Manuel Brault qui fait tous les montages et qui fait aussi du journalisme et qui fait aussi des captations, ainsi que moi aussi, qui fait des chroniques, qui fait des entrevues, qui fait de la captation et on s'occupe de... Je m'occupe aussi beaucoup du bingo. Attention! 3, 2... Bonjour à tous! J'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez pris le temps de faire un peu de lecture. Et puis, pour notre première chronique littéraire de l'automne, je vous présente 11 livres primés de la rentrée. Tous les reportages que j'ai faits durant 10 ans, les gens peuvent revivre des moments importants qui ont existé dans notre société, dans nos communautés. C'est toujours un défi d'aller chercher le meilleur de la personne, puis ça. J'aime l'humain. Quand tu aimes l'humain, mais tu réussis à tirer des choses puis à parler en humain. Ça, j'aime ça beaucoup. Pour ce qui est de la somme de travail, ben, c'est, j'ai beau être engagé 32 heures, je suis disponible n'importe quand. Il faut y aller. Ce que je réalise pour travailler dans une télé communautaire, c'est qu'il faut être extrêmement polyvalent parce qu'on touche à tout. Tu sais, il y a de la caméra, il y a des entrevues, il y a de la captation à faire. Mais à quoi on peut s'attendre ce soir? En gros, ça va être tout doux ou ça va bouger un peu plus à un moment donné? Je pense que ça va être les deux, tu sais, dans le sens que ça va être doux, puis ça va bouger, tu sais. Mm-hmm. Puis je pense que c'est une bonne balance pour venir voir le show. Ouais, c'est un bon équilibre. Ben c'est parfait. Puis merci d'être venu, puis ne vous gênez pas de revenir. Moi, ma première entrevue, je l'ai faite dans la première semaine que j'ai été engagée ici. Faut pas avoir peur, faut vraiment foncer. On est appelé à tout moment, c'est des horaires... aussi, il faut s'attendre d'avoir un horaire. On peut travailler de soir. S'il y a un événement de soir, on peut travailler de fin de semaine. Ici, il y a un festival qui dure 10 jours. Ben, c'est 10 jours en continu. Il y a pas d'arrêt. Par contre, c'est hyper agréable à faire. On rencontre plein d'artistes. On fait des entrevues. On fait de la captation de spectacles.
Mais je suis sûre que les gens à la maison ne pensent pas que c'est autant de travail, mais c'est beaucoup de travail, de préparation. Chaque entrevue, je dois la préparer. Et si je comprends, si je ne connais pas le sujet, je dois d'abord préparer mes questions, sinon, c'est pas professionnel vraiment. On est fiers de notre télé, puis on donne le meilleur de notre rendement, puis les montages sont impeccables. Manuel fait un super beau travail. Il y a Marc Baird au soutien technique, je veux dire direction technique. Dès que j'ai un petit pépin à l'intérieur de la bâtisse, je fais un FaceTime où je l'appelle. C'est réglé dans les secondes qui suivent. C'est une très, très belle équipe de télévision communautaire qui a fait du chemin. Moi, j'ai commencé là au début de Télésourire à recevoir... Les artistes de Chambre en ville, c'était dans la première maison. J'ai fait ma première entrevue ici, dans la vieille maison, il y a au-delà de 30 quelques années. Je suis Solange. Chaque semaine, je suis avec vous pour m'entretenir avec des invités fort intéressants, des acteurs de notre milieu, des représentants des différents organismes de l'Estran. Bienvenue à notre émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois à l'émission Solange reçoit. J'adore aider les gens et ce matin, j'ai offert à Caroline de participer à l'organisation du bingo. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est une tâche de moins qu'elle aura à s'occuper. Je vais venir estampiller les cartes pour les livrer dans les commerces. Il n'y a pas d'erreur, il n'y aura pas d'erreur. Puis là, ben, il faut toutes les compter. Tout le volet bingo qui est immense à gérer. Il faut imprimer les feuilles pour la personne qui anime. Il faut imprimer les feuilles pour aller porter dans les commerces, faire la compilation de toutes les cartes vendues. Je vais être avec toi pour les premières journées, là. Bon, parfait. Pour te montrer comment ça fonctionne. Exact. Parce qu'il faut quand même coller les petits cartons à l'endo. Oui. Il faut que ce soit tout identifié. Il faut que ton nom soit le bon. Il faut faire les piles. On met ça dans des paniers. Puis on distribue chaque panier. Tu sais, les gens, là, ils ne savent pas ça, tout le reste que ça peut demander. Tiens, tout est prêt. On part. Vraiment beau le paysage d'automne dans la Gaspésie. Je suis en compagnie de Solange Roy. Merci Solange d'avoir accepté de venir me parler de tes coups de cœur littéraires pour une deuxième fois. C'est vraiment un grand bonheur, un grand plaisir. Tu vas nous parler de quel auteur aujourd'hui? Aujourd'hui, on va commencer ça avec Kim Thuy. On a quand même beaucoup de gens qui sont sur Facebook. Mais c'est pas tout le monde qui va aller voir qu'est-ce qui se passe sur Facebook, qu'est-ce qui se passe dans tous les médias sociaux. Les gens plus âgés sont très près de leur télévision et vont voir qu'est-ce qui se passe aussi de par le babillard aussi. Le babillard qui déroule entre chaque émission. Donc, c'est important d'avoir ce babillard-là parce que les gens, une vente de pâtisserie, on va aller encourager au lot. Hein? On va aller encourager les fermières, on va aller encourager les filles d'Isabelle. Mais c'est sur notre babillard qu'on va voir qu'est-ce qui se passe dans chacune de ces petites communautés-là. Et s'ils font des activités, on va être à même d'aller les encourager pour qu'ils continuent de vivre dans la communauté. À 5 minutes du centre du village de Grande-Vallée, par la route de la rivière, ce projet de jardin collectif prend de l'ampleur. Cette année, on expérimente la récolte du maïs. Pour clore la saison, les initiateurs et participants au projet organisaient en fait une fête des récoltes. J'étais sur place avec mon collègue Manuel Brouméville pour vous partager ces moments de bonheur. Mmh.
Donc ici, c'est un très petit bassin de population, le secteur de l'Estran. Donc évidemment, on connaît de la pénurie de main-d'œuvre. Et ce dont on a besoin beaucoup aussi, c'est des bénévoles. C'est de plus en plus rare d'avoir des bons bénévoles pour venir appuyer la télé, les télés communautaires. Donc, ça fait partie un peu d'un enjeu. On fait appel ici, il y a une formation qui se donne aux élèves du secondaire qui s'appelle Boulevard 132, où on apprend à faire de la télévision aux jeunes du secondaire. Donc, c'est des jeunes qui, une fois par semaine, collaborent avec nous autres. Ils ont un studio directement à l'école. Donc, ils font un peu ce que je fais, la même chose, un bulletin avec leur activité, tout ça. Participent à des... On a fait avec eux des films. On a fait des capsules sur l'intimidation. Donc, c'est une belle façon pour nous d'avoir une certaine relève parce qu'ils touchent à tout et c'est dans le cadre d'un cours de français. Donc, ils vont eux-mêmes écrire ce qu'ils vont dire à la caméra, devant la caméra. On les a même, des fois j'assiste un peu, on les a même montré déjà à se servir du télésouffleur. Donc, ils viennent ici en studio, ils se voient à la télévision, on les installe devant la caméra, donc derrière notre pupitre, puis ils peuvent constater là, c'est quoi la vie là, de télévision avec tous les projecteurs allumés puis tout ça. Et eux préparent tout ce qu'ils ont à faire et souvent ont des entrevues à préparer, préparent leurs questions, mais toujours avec supervisé par un professeur. Et les gens à la maison, ils voient vraiment des dessins en arrière de nous pendant qu'on se parle présentement, puisqu'on peut mettre des décors fictifs en arrière de nous. Mais vous savez qu'on fait des tournages sur un mur vert. Maintenant, c'est ça. Et grâce à ces murs-là, on peut se déplacer un peu partout. On pourrait avoir la Tour Eiffel en arrière de nous. On pourrait faire à croire qu'on est à Londres présentement. Puis on fait faire la caméra et même ils font du montage aussi. Moi, si la télévision communautaire fermait, je pense qu'on perdrait un gros morceau de notre communauté. Parce que Télésourire, TVCE, c'est là, c'est vivant, c'est il faut pas. Je pense que je me débattrais pour essayer de trouver, quitte à venir travailler bénévolement.